C'est donc derrière cette porte, dans une salle du Palais de la Mutualité, que les négociations entre PS, Front de Gauche et Europe Écologie se sont poursuivies toute la journée. Premier point de tension, les Verts exigent le poste de premier vice-président à la région pour s'allier avec les socialistes. Ces derniers, jusqu'à présent, ont refusé. Est-ce que vous êtes prêt à laisser un poste de premier vice-président aux Verts ? Mais la question ne se pose pas en ces termes. Aujourd'hui, on constitue des listes et on bâtit un projet. On ne se répartit pas les places. Eux en font un préalable, apparemment. Moi, je pense que les Verts nous ont dit pendant toute cette campagne qu'ils voulaient faire de la politique autrement. La politique autrement, c'est d'abord s'interroger sur le projet avant de poser la question des places. Il n'y a pas de préalable. Philippe Mérieux, la tête de liste Europe Écologie, a pris soin de fuir les caméras et les micros, voulant, semble-t-il, la plus grande discrétion. Non, on ne va pas faire de déclaration maintenant, vous êtes gentil. On ne va pas faire de déclaration. Merci. Merci. En milieu d'après-midi, un rapprochement entre les positions des socialistes et les Verts semblait se profiler. Et c'est là que le Front de Gauche y va de sa colère, craignant que cela se fasse sur son dos. Pour éviter que Europe Écologie se sépare du PS, ils sont prêts à tout pour s'entendre. Et donc il faut qu'il y ait un dindon de la farce, ça ne sera pas nous. Hein. Pour l'instant, c'est vous. C'est sur votre dos. C'est ce que je viens de dire. Ouais. C'est-à-dire tous ces gens qui se sont mobilisés avec nous, qui se mobilisent, qui sont dans les rues pour essayer d'éviter le pire à notre peuple, on est en train de les considérer comme ne faisant pas partie vraiment de la gauche qui doit se rassembler en Rhône-Alpes. C'est pas à la hauteur de la situation. Vers 17h, les différents protagonistes ont quitté le Palais de la Mutualité pour un hôtel près de Perrache où les discussions doivent se poursuivre. Elles devront aboutir avant demain soir, date limite pour fusionner les listes et avoir le temps d'imprimer les affiches du second tour.